6 heures du matin, je me lève tôt. Ah, j'ai du courrier. Ah oui, il pleut bien. Tu cherches un moyen de passer le temps, tu préfères peut-être gagner des pièces supplémentaires pendant que tes cultures poussent. N'en dis pas plus, viens nous voir, Éléonore et moi, au cabanon balnéaire. Nous avons les cadeaux de bienvenue idéaux pour toi. Eh ben du coup, on va faire ça ou on va. Alors, le cabanon, c'est ça. Et on va peut-être visiter un peu quand même. On va continuer la visite. On va monter et redescendre, comme ça on arrivera au cabanon. Ouais, à peu près. On va bien voir. Je vais prendre le chemin par là. Zut. Je me perds dans les touches. Ah zut, mais c'est pas possible. Donc ici j'étais venu. Ah, t'es qui toi? Takeba, c'est toi Taro? Oh. Donc là je suis à sa maison là. Donc là ça doit être fermé. Ouais. Ok. Ah bah ici il y a ça encore. C'est quoi? Agriculture démarrage. Vous avez découvert un livre. Rendez-vous à la bibliothèque. Bah, je passe par où, moi? Par là. C'est un peu bizarre par là, hein. Faut que je redescende par là. Ça, je peux ramasser? Ouais. Il y a un escargot? Ici, on connaît. Ben, je vais aller par là. Là, c'est une maison. Ah, on dirait du vin. Ah ouais, c'est ça. C'est des vignerons ici. Manoir de la vigne, bah voilà. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non. Il y a 3 habitants. Ah bah si, il y avait quelqu'un. Ah par contre, je les vois pas. Luc. Oui, je peux t'aider. Je m'appelle Luc, c'est un plaisir de te rencontrer. Et toi? Walter. Bien, bien, bien. Ce serait pas toi qui appartient le terrain? Ou devrais-je dire la ferme? Eh, de nouveau. Hein. Oui, je voulais aller voir à l'intérieur, c'est quoi ça? C'est une serre? Il y a un coffre. On dirait une niche avec une tête de chien, mais. Alors, bah, je vais redescendre. Par là. Archie, c'est vraiment toi qui viens de t'installer ici? Papa dit que tu travailles à la ferme, c'est vrai? Tu as quoi comme outil pour travailler? Ok, je te crois. Mais pourquoi on ne dirait pas que tu travailles à la ferme? Bah parce que là, je visite. Musée!
Ah, il est pas content. Donate here. On va pouvoir faire des donations. Non, ils ne sont pas revenus par magie. Oh bonjour, vous êtes Diablinthe, non? Je suis désolé que vous m'ayez attrapé à un mauvais moment, mais... Il suffit de regarder ça, il est si vide, mon travail de vie. De quoi parles-tu? De ça? De ce musée vide? On avait tant d'artefacts autrefois. Enfin, pas tant que ça, mais on en avait un peu, quoi. Je ne vais pas te mentir, quand Millie m'a dit que la ville allait vendre notre collection, j'étais furieux. Et ce n'est pas quelque chose que je ressens, souvent. La seule chose pour laquelle j'étais doué et qui me faisait me sentir utile allait m'être retirée, l'idée même de me révolter. Mais au fond de moi, je savais que la ville avait vraiment besoin de fonds supplémentaires pour nettoyer la marée noire. Je ne pouvais donc pas faire grand-chose à ce sujet. Je suis donc retourné chez mes parents pour me calmer et réfléchir à ce que j'allais faire. C'est là que j'ai réalisé que j'avais deux options. Est-ce que je vais continuer à m'apitoyer sur mon sort ou vais-je reconstituer la collection du musée maintenant que la ville n'est plus autant en crise? Exactement, je vais reconstituer la collection. Au fait, Diablin, j'ai entendu des choses sur toi. Ah bon? On dit que tu as un don pour trouver des choses. Je me débrouille pas trop mal non plus, mais ton aide me serait très utile, j'avoue. Si jamais tu trouves quoi que ce soit qui m'intéresse, tu pourrais l'amener ici, d'accord? Je peux te ramener n'importe quoi? Non, pas n'importe quoi non plus. On a une liste d'objets qu'on veut exposer. Des artefacts historiques, des fossiles, des insectes, des créatures marines, etc. Artefacts, fossiles, insectes, créatures marines. Oui, mais il y a le etc., ça ne veut pas dire grand-chose. Passe nous voir si tu veux quoi que ce soit... Si tu trouves quoi que ce soit à exposer au musée. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux m'aider à remplir le musée? Oui. Parfait, c'est ce que je voulais entendre. Un musée. Ah bah, j'ai rien qui t'intéresse. Alors, pas les fleurs. Ah, il n'est pas très grand. Donc là, il y a tous les socles et puis... ok. Donc les poissons, les créatures marines. Et ici, ça va être les insectes. Mais il n'y a peut-être pas grand-chose alors. Pour l'instant. Il est quelle heure? Il est 9h? Le temps passe pas quand on discute. Bah, j'ai l'impression en tout cas. C'est lugubre. Cinq habitants, il y a des habitants à la mairie. Franck, waouh, regarde qui voilà. C'est toi qui reprends la ferme? C'est ça? Moi c'est Franck. Ah, je t'avais pas vu toi. Lily, ouais. J'ai vu quelqu'un par là, ouais. Lily, tu as dit que tu travaillais dans l'agriculture, non? Ça explique la tenue, comme c'est mignon. Eh oh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la mairie? Là, il y a une porte. C'est quoi, des fauteuils roulants? Location gratuite de fauteuils roulants. C'est bizarre. Le juge, bah, elle m'a rien dit. Librairie, ah, faut que j'y aille à la librairie. Bibliothèque, tu n'as pas assez de livres, donc tu peux... Tu n'as pas assez de livres dont tu peux faire don. Ah bon? Mais j'en ai un livre.
C'est pas ça que j'ai... Mais j'ai trouvé un livre tout à l'heure. C'est normal que tout soit en bazar comme ça. Section F. Quelle section il m'avait dit tout à l'heure? C'est pas C. L'agriculture démarrage. Ok. Donc là, en fait, c'est une autre partie. Enfin, ça fait comme un musée, quoi. Mais là, c'est un musée de livres, une bibliothèque. Ah, oh, des animaux. C'est là qu'on mettra. Oh, c'est excellent. Bon, après, ça fait enfermer les animaux. Hein. C'est moyen, mais... Ce marchand sera bien... Ah, ah non, c'est un marchand. J'ai cru que c'était un truc qu'on allait collectionner aussi. Bah allons voir la mairie en elle-même. Je t'ai vu, toi, hein? Noah, j'espère qu'il n'y a pas de fuite au centre communautaire. Ouais, j'avais déjà vu. On envoie beaucoup de pierres comme ça. Hein. Ah, c'est un plan de la... Oui, de la jeter, oui. Allez, remets-toi sur la carte et on redescend par là. J'ai 295. Je vais peut-être acheter... C'était pas l'anniversaire de quelqu'un? Demain, Joko. Fermé le mercredi. Ah bah je voulais racheter des graines. La plage, bah c'est direct en bas. C'est un papillon ou un oiseau, un papillon ça? Éléonore, quoi, Sonny? On peut pas lui faire ça? Ce serait extrêmement exténuant si on lui donnait les deux choses à faire en même temps. Ok, alors on commence par la pêche. Qui n'aime pas la pêche? Peut-être que ce ne serait pas une si mauvaise idée de... Bienvenue. Enfin un nouveau visage, Diablin. C'est bien ça? Oui. Jim, Diablin, t'es là. Jim, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Ah oui, Jim, hein? C'est très agréable de faire enfin ta connaissance, Diablin. Viens ici, assis-toi. Nous étions en train de discuter de tes cadeaux de bienvenue. Ben, c'est pour ça que je suis venu. Si tu préfères rester debout, pas de souci. C'est mieux pour avoir les jambes bien musclées. En parlant de muscles de jambes, j'ai l'activité qu'il te faut. Attraper des insectes. Ouais. Vas-y, assis-toi. Alors, comment ça se passe à la ferme? Rien ne me résiste, c'est un peu fatigant. Hein, je n'ai pas la certitude. C'est un peu fatigant parfois parce qu'on perd beaucoup d'énergie. Hein. N'oublie pas de faire des pauses. Même pêcher peut être fatigant si tu ne t'arrêtes pas. Tu veux bien trancher la question pour nous, Diablinthe? Quelle est la meilleure activité? Pêcher ou s'amuser à attraper des insectes? C'est un choix que je dois faire là? Ma femme et son esprit de compétition. Soupir. Si je réponds pêche, il me donne la canne à pêche. Si je réponds insecte, il me donne le filet. Et après, il faudra attendre un petit moment pour avoir l'autre. Ça, non. Je préfère pas poser du carrelage. Attraper des insectes ou la pêche?
Ah, on va faire pêcher quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Nat? Poisson, insecte? Ça se trouve, c'est pas un bon un choix, mais. Mais ça me fait peur d'avoir le choix comme ça, si je prends l'un, de pas pouvoir faire l'autre pour l'instant. Bon, bah, je vais prendre pêche. Je le savais. T'as entendu ça, mon amour? Diablin, tu as raison, la pêche est effectivement une meilleure activité. En tout cas, voici notre cadeau de bienvenue, une canne à pêche et un filet. Mais vous pouvez pas me le dire avant. Tu peux vendre ta prise ou la donner au musée. Ils peuvent en avoir besoin. Bonne chance! Eva, fais attention, le chemin peut être glissant. Ah, c'est le gym, ça. Il pleut, pas étonnant qu'il fasse plus froid que d'habitude. Par contre, ça compte pas comme des nouveaux, ça. Il me met pas. 28? Il m'en manque que 2? Oh, il y a un truc là. Là. Du verre. Alors. J'ai pas réussi à l'attraper. Ah oui, d'accord, il y a une zone. Fallait peut-être que je fasse ça. Rester appuyé. Ok. Pêche. Est-ce qu'on voit des poissons ou on jette n'importe où? C'est quoi ça? Et ça, je peux pas l'avoir, ça? Non. Non, c'est de la déco. Par contre, ça s'enlève ou pas? Ouais. Ah, c'est des graines sauvages? Je pensais que c'était des déchets. Ah oui, c'est bien des ordures. Ferraille. Et ça, c'est. Ouais. Donc, ouais, il va falloir tout dégager à un moment ou à un autre, j'imagine. Pêchons. J'ai pas vu de poisson. On va essayer. Alors. Ah, il faut maintenir. On a une puissance. Ah, bah, ça va, il y a un poisson qui arrive tout de suite. X. Non, j'ai l'inventaire plein. Si je me perds pas, c'est là, hein. Il est quelle heure? 15h. Alors, je vais vendre poisson. Ça, je vais passer par le musée avant, là, pour voir s'ils considèrent que c'est une créature. Ça, je mets dedans. Non, ça c'est à vendre.
Il reste, je vais ranger ça là. Je vais juste garder le coquillage pour le musée au cas où. Je suis passé du bon côté, moi? Non. Et du coup, je peux attraper la grenouille? Ah, il m'a vu arriver de loin. Ah bah tiens, un autre coquillage. Il était où mon truc? Là. Un dépliant. J'ai commencé par pêcher. Ah bah je suis plus sur ma canne à pêche chute. Ok. Ouais, je sais pas ce que ça donne là. La puissance. Ah, ok. Un dragonnet rouge rubis. Ah mais c'est vrai que je peux aller là. Mais je peux aller partout. On va pêcher d'ici. Ah mais il a disparu. Alors tant que je m'approche moi. Ouais, j'ai pas franchement pas l'impression qu'on lance beaucoup plus loin comme ça. Ah bah c'est pareil, super. J'étais au même endroit à peu près, j'ai dû pêcher en face tout à l'heure. Un polyphème. Bon, j'aurais eu mon premier insecte, mon premier poisson. Bon, par contre, eux, je sais pas trop comment. Ou alors, il faut que je creuse. Ah, secouer. Non, c'était ça que je peux secouer. Oh, j'ai failli me faire avoir là. Il est pénible, lui. Ben, il est pénible. J'ai l'impression que c'est le même.
Arrête de débattre. Ouh, un homard. Ah bah ça valait le coup. Allez, on va aller au musée. En tout cas, musée à cette heure-là. J'ai pas vu d'horaire. Musée, c'est là. Ouais, je prends à gauche et c'est bon. Ah bah non. Il n'y a pas d'horaire. Alors ça, dépliant, je sais pas quoi en faire. Ou alors peut-être pour la bibliothèque. Donc j'ai un poisson que je peux vendre et ça, ils en veulent pas. Ok. La mairie, elle est fermée ou ouverte aussi? J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Centre-ville. Bibliothèque, c'était là. Tu n'as pas assez de livres. Il faut donner des livres. Mais j'en fais quoi de ça? Dépliant, quelque chose sonne faux. Allez, go. Bah, il est 22h, il est temps d'aller dormir. Plus demain, il va peut-être pas pleuvoir. Hein. Et ça, c'est quoi? Vous avez besoin d'une clé. Ah bah du coup, je vais vendre ça et ça. Allez dormir. Niveau supérieur. Ah bah je vais avoir gagné quelque chose.